Hello la chaîne des box, ici Gracie qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter la box à pâtisser du mois de juin. Donc ce mois-ci, comme à chaque mois, j'ai envie de vous faire quelque chose d'un petit peu innovant pour vous présenter la box. Je me suis dit pourquoi pas essayer de deviner ce que c'est comme recette ce mois-ci et de voir après si j'ai tapé dans le mille. Donc comme d'habitude, il y a la feuille de recette que j'ai enlevée juste avant. Je sais que c'est la première chose qu'il y a dans la boîte, donc j'ai tout enlevé les papiers, j'ai tout mis derrière ma chaise. Pour commencer, qu'est-ce que la boîte à pâtisser? C'est une box de cuisine, de pâtisserie, où vous pouvez retrouver une recette qui est expliquée pas à pas avec des vidéos sur YouTube pour vous aider si en cas de pépin, et bien sûr les ingrédients secs, tous répartis dans des sachets avec pour finir les ustensiles dont vous aurez besoin, des ustensiles un petit peu non courants qu'on n'aurait pas forcément dans votre cuisine. Et ce qui va faire que petit à petit vous allez avoir un petit package d'outils au fur et à mesure des box pour vous permettre de faire différentes recettes. Donc ce mois-ci, nous avons dans un petit sachet de la gélatine. Et dites-moi en commentaire vous si vous avez trouvé la recette avant la fin de cette vidéo. Du sucre je suppose. En 5, un sachet de sucre un petit peu moins plein. En 4, je pense que c'est du chocolat blanc. Je pense que ça doit être du sucre glace. Ça ressemble à ça, ou de la farine, je ne sais pas bien encore. En 2, c'est de la poudre d'amande ou de la poudre... Enfin, pas de noisette, c'est pas cette couleur-là, mais c'est forcément de la poudre d'amande, je pense. Et en 1, encore du sucre. Dis donc, il y a 3 sachets. Donc, il y a 3 sachets dessus, 4 si on compte le sucre glace. De la poudre d'amande. Comme accessoire, nous avons... Oh, c'est trop bien, des petits sets de présentation comme ça. Donc, pour faire pour 6. Je crois que c'est à peu près comme ça d'habitude. On a une pâte. On a du papier cuisson et 2 poches à douille, me semble-t-il, cette fois-ci. Oh non, une énorme poche. Non, 2. Oui, c'est ça. 2 poches à douille. Et un embout de douille. Je pense que cette recette, elle doit être à base de. Ça doit être. Enfin, en tout cas, le fond. Le fond de tarte. En tout cas, le fond, ça doit être des macarons, puisque farine, sucre glace, du sucre. Après, il y a du chocolat blanc, donc pourquoi pas une crème à base de chocolat blanc. Un truc macaron, chocolat blanc, et c'est la période des framboises. Donc pour un petit dessert acidulé, pour compenser tout ça, tout ce sucre, je dirais crème de framboise et macarons. Bon, on va voir la fiche recette. Ouais, j'ai tout bon. La recette de juin 2019, c'est macarons, framboises et romarin. Voilà, donc macarons, mousse, yaourt à la grecque, romarin, ganache, framboise. Oh, ça a l'air. En effet, donc il y avait du sucre semoule, de la poudre d'amande, du sucre glace, du chocolat blanc, du sucre tout court pour la ganache, du sucre pour la mousse de yaourt. Une feuille de gélatine pour la mousse de yaourt, il y a 2 poches à douille, une poche de cuisson, une douille unie 8, 6 ronds en or. Et la recette est à faire par contre sur 2 jours et c'est précisé. Donc comme d'habitude, vous pouvez retrouver les recettes dans votre box avec les étapes pas à pas. Je vous invite d'ailleurs sur mon Instagram à aller voir les recettes une fois qu'elles sont réalisées si ça vous intéresse. Voilà, ou sinon allez voir directement sur la boîte à pâtisser, il y a tous leurs réseaux sociaux que je mets en barre d'infos. Voilà. Et donc j'espère que mon dessert ressemblera aussi à ça pour passer une bonne dégustation. J'espère que la présentation de cette box vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao !